Bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo dédiée aux pédales automatiques. Dans cette seconde vidéo réservée exclusivement aux membres de clubvtt.com, je vais vous expliquer comment régler la dureté de la fixation de vos pédales automatiques. On y va ? C'est parti ! Vous avez donc ici, de chaque côté, parce que vous en doutez, cette pédale automatique qui est la pédale gauche, petit L pour left, de l'autre côté vous avez un petit R pour right. Pédale gauche, vous avez deux faces, voilà. Sur chacune des faces, il y a évidemment la fixation qui vous permet d'accrocher votre chaussure. Donc le réglage de tension ici du ressort qui vous permet de déclipser, déchausser rapidement, facilement ou au contraire de manière plus dure, va se trouver des deux côtés. Donc vous avez ici un petit sigle moins et plus avec ici un petit écrou pour la clé Allen. Voilà, donc vous pouvez ici tourner vers la gauche par exemple et aller vers le moins, c'est-à-dire rendre ici la fixation plus facile et aller en tournant dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, rendre la fixation ici de votre chaussure sur cette pédale automatique beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure. Évidemment, comme je l'ai dit à l'instant, il y a deux faces, donc le réglage est à faire des deux côtés, sachant que vous avez des crans, vous sentirez avec votre clé Allen des crans, clic, 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 clic. Le plus simple sera évidemment de compter le nombre de crans et avoir le même nombre de crans des deux côtés sur les deux faces de cette pédale automatique. Évidemment, ici, il s'agit d'un ressort avec une vis, donc il est très important régulièrement de lubrifier cette partie ici, voilà, et cette partie-là également, des deux côtés. Il faut que le ressort ainsi que le petit mécanisme qui est ici soit huilé, soit lubrifié de manière à ce qu'il fonctionne correctement. Il faut évidemment faire des essais, ce que nous allons faire ensemble tout de suite, pour voir comment trouver le bon réglage pour que vous puissiez déchausser rapidement sans rester évidemment attaché sur votre chaussure et tomber en ayant les pieds attachés au vélo. On y va. Ok, pédale automatique, on va les monter sur le VTT qui lui-même est monté sur le home trainer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir essayer vos pédales automatiques en toute sécurité. On y va, rappelez-vous, du côté droit du vélo, du côté droit du pédalier, on visse et on dévisse. On visse dans le sens des aiguilles d'une montre et on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toujours avec une clé plate de 15. Et du côté gauche du vélo, c'est inversé, donc on dévisse, on visse, côté inverse, etc. Voilà, c'est parti, on va monter les pédales automatiques sur ce pédalier et ensuite on va bien s'amuser. On dévisse donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et oui, nous sommes du côté droit du VTT. Voilà, on enlève la pédale normale et on va visser la pédale automatique côté droit, donc petit R côté droit du pédalier, right en anglais, droit, on y va, donc dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser comme ceci, voilà, la clé plate de 15 mm et oui c'est toujours la même, ici on serre, donc on peut serrer évidemment en tournant comme ça puisque quand on pédale finalement ça serre, voilà. Même chose de l'autre côté du VTT, on dévisse ici dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser donc. Et ensuite, pédale gauche avec un petit L qui veut dire left. Et donc pour visser, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et oui, je le répète encore une fois, à gauche c'est inversé. Et donc vous vissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc maintenant, nous avons les pédales automatiques qui sont fixées sur le vélo et les pédales, les cales de pédales automatiques qui sont fixées sous les sabots. Maximilien Dupré monte sur son cheval. Voilà. Donc là, je suis clipsé, mais je suis emmêlé. Vous clipsez. Clips. C'est pratique parce que quand on est clipsé sur les pédales, non seulement on peut pousser,
Mais on peut aussi, quand on est dans cette phase-là du pédalage, tirer vers le haut. Donc on pousse, on tire, pour le pied droit évidemment. On pousse, on tire, on pousse, on tire. Ensuite, on a dit qu'avec ces SH56 de Shimano, on pouvait déchausser dans les deux sens. On pouvait déchausser dans les deux sens, c'est-à-dire si on pivote vers l'intérieur, hop, on déchausse, voilà. Mais aussi, si on pivote vers l'extérieur, hop, on déchausse. Donc, comment faire pour déchausser des deux pieds à la fois? On fait soit les deux pieds tournent vers la gauche, hop, on déchausse. Soit les deux pieds tournent vers la droite, pivotent vers la droite. Hop, et on déchausse. Donc imaginons que je sois sur mon vélo, je freine d'un seul coup et hop, je tombe et en fait je déchausse. C'est très pratique. C'est une astuce très intéressante. Donc voilà l'astuce Maximilien Dupré. Et oui, vous pouvez essayer la dureté de vos pédales automatiques, faire vos réglages en étant sur votre home trainer. Évidemment, là, vous ne risquez rien. Vous ne risquez pas de tomber du VTT. Évidemment, vous avez compris, il est posé sur le home trainer. Je vais maintenant faire un essai des pédales automatiques sur le terrain. Nous allons voir ça tout de suite. Ensemble, on y va. Et oui, je suis maintenant au bord du lac de Seyssel-Est. On va faire un petit essai sur le terrain de ces fabuleuses pédales automatiques. Vous emmenez avec vous votre petite clé Allen pour pouvoir régler la dureté ou la facilité pour déchausser vos chaussures. SH56, vous tournez le pied à l'intérieur ou à l'extérieur, vous pouvez déchausser des deux côtés. Allez, on va faire un petit essai. On y va. Allons-y. Clip, clap. Alors on clip la pédale, voilà, comme ça, hop. Et si on a un souci avec le vélo, on s'arrête et hop, on déclipse. Même chose de l'autre côté. Là, je clip le pied droit, le pied gauche, et c'est parti, ça roule. Pédale automatique, c'est hyper pratique. En fait, en termes de motricité, c'est bien meilleur que des pédales normales. En plus, vous l'avez vu, c'est très pratique. Je déchausse en tournant à gauche ou à droite. Aucun problème, c'est fantastique. C'était Maximilien Dupré au bord du lac de Seyssel-Est. Merci d'avoir regardé cette seconde partie réservée exclusivement aux membres de clubvtt.com. Dans cette vidéo, il s'agissait du réglage de vos pédales automatiques. C'était Maximilien Dupré. À très bientôt dans les prochaines vidéos.